Les desserts de la gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, je suis avec Christian Générec de Gaspal Finance et Gestion. Bonjour Christian. Bonjour. Nous faisons le point sur l'actualité économique, même politique d'ailleurs d'une certaine manière, celle des marchés, et puis nous essayons de dessiner une stratégie et dans la fin de l'émission, de même de rentrer dans les conseils précis. Alors on a une semaine qui est agitée, hein, qui est sous pression un peu grecque, on va dire. Le CAC 40 par exemple, les indices boursiers européens reviennent dans le bas de la consolidation qui a commencé le 15 avril. On a 4008 environ pour le CAC 40. On est à 12-13% de hausse sur ces indices-là. Il y a juste l'Italie qui fait un peu mieux, hein, 18%. Phénomène quand même à noter, le Nasdaq a retrouvé son niveau des années 2000. Hier soir, le record de 5140 a été passé en séance et on termine très légèrement en dessous. Christian, ça vous inspire quoi ça? 2000, ça s'est mal fini. Parce que ce que ça m'inspire, c'est premièrement, on a vu que les marchés obligataires ont subi une correction ces derniers temps et on est revenu à peu près au point de départ, au 1er janvier. Alors que les investisseurs en action ont encore des performances de l'ordre de 12 ou 13%. Donc, on voit très bien que la politique des banques centrales, qui est de pousser les investisseurs vers les marchés actions, ça marche. Il vaut mieux faire du 12-13 que du 0, voire 0 moins si on est sur du monétaire. Nasdaq, bah écoutez, je crois qu'il y a quand même des valorisations que j'ai du mal à comprendre. On n'est pas encore dans les valorisations de 2000, mais on peut s'en approcher par moment. Ça commence à être fort. Bien, nous commençons avec les impressions macro. Alors Christian, cette affaire grecque qui est entre la comédie, entre le drame, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Ah ben ça, si on le savait. Voilà. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de... Moi, je compare ça un petit peu à un combat de catch, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les coups sont très, très durs. Et en fait, mais oui. En fait, il y a beaucoup de bruit. C'est de l'intimidation, c'est etc. Ce qui est certain, c'est qu'on sent bien qu'on s'approche du dénouement. Les banques grecques perdent beaucoup de dépôts. Parce qu'il faut quand même être serein. On serait déjà parti. Si on est grec, pour garder son argent dans une banque grecque. Oui, c'est ça. C'est... On le mettrait tout de suite. Il suffit de traverser la frontière, faire un dépôt en euros, et on est sûr de garder ses euros. Donc, et on sent que la pression a l'air de se concentrer un peu sur ce week-end ou sur lundi. La BCE, pour le moment, a fait les fins de... Je ne dis pas de fin de mois, c'est plutôt les fins de journée ou les fins de semaine des banques grecques. On sent que ça tire beaucoup de ce côté-là. Le FMI a dit, moi, 30 juin, je considère que c'est le défaut et je n'applique pas cette règle non dite comme quoi ce n'est qu'au bout d'un mois que je considère qu'il y a défaut. Moi, c'est le 30 juin. Donc on sent qu'on commence à venir et à mon avis, on va être comme dans les marathons de Bruxelles, c'est-à-dire qu'à minuit moins une seconde, tout d'un coup, on va s'embrasser on va se mettre d'accord. Et les bouteilles de champagne vont sortir. Aujourd'hui, ça a quand même impacté les marchés européens. On voit que par exemple, les marchés européens ont fait moins bien que les marchés japonais dans cette consolidation. Mmh. C'est plutôt une occasion si on est sur les valeurs européennes. Alors, tout dépend de savoir si vous êtes dans le camp des optimistes ou des pessimistes, parce que... Mais si je vous comprends bien, ça sera si à moitié Grecs plein, à moitié vide, de toute façon. Moi, je vous ai donné l'image de la bouteille de champagne, mais peut-être que ça sera un petit verre d'eau. Et dans ce cas-là, si les Grecs vont jusqu'au bout et que ça explose... Dans ce cas-là, c'est clair que les marchés européens... Mais on a quand même l'impression que ni les Grecs ni les Allemands, parce que les Allemands décident pour tous les autres, n'ont intérêt à ce que ça explose. Mais bon, après... Alors, les Allemands, c'est toujours un peu plus compliqué parce que, d'abord, on parle peut-être de dissension entre le ministre des Finances et la chancelière, mais surtout, il faut que ça passe par le Parlement. Le Parlement allemand n'est pas très bien disposé vis-à-vis des Grecs, qui considèrent comme des gens qui foutent rien, qui ne lèvent pas l'impôt, etc. Bon, le feuilleton continue, mais on est plutôt plus proche d'un dénouement qu'autre chose. On approche du dénouement. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, finalement, ça va... Oui. On ne peut pas dire bien se passer, parce qu'on ne s'attaque pas aux vraies racines des problèmes. Vraies racines, c'est si on s'attaquait
à un rééchelonnement réel de la dette. Et ça sera la deuxième étape, ça sera dans 6 mois, dans 1 an. Ça, oui, mais je veux dire, là, ce qu'on fait, c'est de la palabre. Oui, très bien. Alors, la Réserve fédérale, là, c'est un institut de mission plus important, on va dire. Cette semaine, Mme Yellen a donc maintenu le niveau de ses taux d'intérêt, a annoncé à la fois que ça allait bien dans l'économie, mais pas suffisamment bien pour qu'on aille très vite, mais quand même, elle a laissé dessiner cette fameuse hausse des taux d'intérêt. Elle va avoir lieu pour vous ? Ben, normalement, oui, sans doute. Alors, ce qu'on va attendre avec intérêt, c'est les résultats de l'économie américaine pour le deuxième semestre, puisque le premier trimestre n'était pas bon. Alors, il y a le mauvais temps, il y a les grèves, etc. Mais on aime bien quand même être conforté par des bons chiffres. Et les chiffres qui sortent cette semaine, on ne peut pas dire qu'ils sont flamboyants. Oui, on en a un bon, un mauvais. Ce n'est pas flamboyant. Le chômage n'a pas l'air de baisser fortement. Il est relativement stabilisé. Et l'économie, on a l'impression qu'on tourne à des zones 2, 2,5, ce qui n'est vraiment pas très oui, fort. Oui, c'est pas par ça. Rapport pour une sortie de crise, notamment. Donc, alors Yellen, elle a un problème gigantesque parce que avec tout l'argent qui a été déversé et le risque de l'impact sur les marchés d'une montée des taux, est-ce que, alors le souvenir horrible des gérants, c'est 94, hein, oui. Lorsque Crac la Fed avait monté ses taux et là les taux obligataires avaient remonté fortement. Une remontée forte des taux obligataires, ça entraînerait malheureusement une baisse des marchés actions, très certainement. Bien, donc quand même. Oui, sachant qu'elle est un peu obligée de remonter ses taux pour le jour où ça va aller mal. La seule arme qu'elle a, c'est de baisser, quoi, que la Réserve fédérale a, c'est de baisser les taux si jamais la conjoncture se calme. Et donc, s'ils sont à zéro, c'est difficile de les baisser. Elle pourrait reprendre ses rachats d'actifs. Voilà. Alors qu'elle a arrêté. Dernier point d'impression macro. La Chine m'inquiète, ou la Chine m'inquiète pas, on a l'impression qu'il y a réellement un changement de modèle et un ralentissement de la croissance. Ça, oui. Croissance. Moi, ce que je suis, je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de le dire, c'est la production d'électricité. Oui, on avait montré la slide dans une voilà, présentation. Parce que ça ne trompe pas, ça. Non. Et on voit très bien qu'on n'est plus sur des rythmes de croissance que l'ordre de 4-5, peut-être. C'est ça, 4-5. 6%. L'État va nous dire 7, mais parce que voilà. C'est un État dirigiste, donc il dit 7-7. Si on reprend quand même, on a eu des périodes à 15-17. Oui. 18. Donc on est quand même sur un ralentissement relatif, parce qu'on aimerait bien être à ces niveaux-là. Mais on sent bien aussi que la Chine ne peut tenir en termes sociaux qu'avec de la croissance. Parce qu'il faut accueillir tous ces migrants qui viennent de la campagne, qui viennent dans les villes chercher du travail. Et c'est par dizaines ou centaines de millions. C'est beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais c'est beaucoup de millions chaque année. Il faut leur trouver un emploi, il faut les nourrir. Et on a besoin de croissance. Alors, égoïstement, ça a aussi des effets sur l'Allemagne, qui était le fournisseur de machines-outils de la Chine du monde. Et ça a eu cette semaine un impact. Le Crédit Suisse a donné une note en disant que ça a un impact sur les équipements automobiles. Alors, ça a un impact sur la production automobile. Je crois que l'impact est peut-être plus fort par la concurrence interne, parce que maintenant, les équipementiers chinois commencent à produire des pièces à petit. Moi, j'ai un scénario globalement chinois, un petit peu comme le Japon, c'est-à-dire qu'au début, ils ont copié, ils ont importé la technologie de l'extérieur, puis ensuite, ils se sont mis à faire eux-mêmes, et aujourd'hui, Toyota est le premier producteur mondial. Je ne serais pas étonné que dans 15 ans, le premier producteur automobile au monde soit chinois. On va y revenir tout à l'heure. Nous passons aux réalités micro. Alors, réalité micro, Christian. La saison des trimestriels arrive, et c'est effectivement le rendez-vous, vous en parliez un instant. Comment s'est passé ce deuxième trimestre, ou en tout cas ce premier semestre, à la fois aux États-Unis, qui va ouvrir le bal des publications, et puis en Europe, puisque c'est un peu l'instant de vérité, notamment en Europe, où on a anticipé sur une grosse amélioration des bénéfices. Oui. Moi, je crois qu'on ne va pas être déçu. Alors, bien sûr, il y a des sociétés qui vont décevoir parce qu'elles peuvent être, par exemple, exposées
à des pays émergents qui souffrent, comme le Brésil, par exemple, ou pour des raisons particulières. Mais globalement, on va avoir des bases de comparaison très favorables par rapport au premier trimestre de 2014, même si le dollar a rebaissé un petit oui, peu. Oui, mais on est passé de 1,32 à 1,13. L'effet dollar est de plus de 15%. C'est considérable. Les taux d'intérêt, même s'ils ont remonté un petit peu, en tout cas les taux longs, ils avaient tellement baissé qu'ils sont encore en forte baisse sur un an. Donc, on attend une hausse des bénéfices à peu près de 8% cette année. Et je pense que le T2 ne va pas trop décevoir. Ça va plutôt doper. Et donc moi, je ne suis pas pessimiste. Et alors, à Wall Street, à l'inverse, parce qu'à Wall Street, il y a l'impact justement de la baisse du dollar. Voilà. Alors, à Wall Street, c'est l'inverse. Beaucoup d'entreprises souffrent d'un dollar qui est cher. D'ailleurs, c'est un peu la publication des trimestriels du premier trimestre qui a stoppé. En Amérique, on s'est dit, on ne va pas faire des cadeaux éternellement à nos amis européens et japonais. Sur le Standard & Poor's, les analystes attendent une stabilité, voire une légère baisse des résultats cette année. Donc on ne sera pas non plus très déçus. Clairement, les deux côtés de l'Atlantique ne sont plus dans la même phase. Mais lorsque les marchés américains montaient beaucoup entre 2012 et 2014, nous, on stagnait. Voilà, donc. Voilà. Ça a juste retourné. Juste retour des choses. Alors, réalité micro aussi, négociation, Fiat Chrysler d'une part avec General Motors. Là, on joue avec des grosses mises sur les fusions et les acquisitions. Et pendant ce temps-là, on le disait à l'instant, on s'inquiète un peu sur les équipementiers, sur l'automobile, sur le fait que la Chine ou l'Inde vont nous produire des bagnoles moins chères, etc. Alors, c'est un secteur très important, en plus, un secteur que vous avez beaucoup recommandé. Et c'est le secteur qui monte le plus depuis le début de l'année sur les bourses. C'est l'un des secteurs. Ouais. Ouais. Et je crois encore qu'il y a beaucoup à faire parce que on rentre de plus en plus de technologies dans les automobiles. Ouais. Il y a qu'à voir tous les progrès qu'on a fait. Alors on s'est plus garé sans le bip-bip aujourd'hui. Demain, on n'aura plus besoin de conduire. Enfin, on se mettra sur l'autoroute et on attendra. On sent bien maintenant, même les petites voitures les moins chères ont un GPS. Enfin, bon, le Fiat Chrysler, Fiat n'est pas fou. Il sait très bien que Chrysler est le constructeur américain le plus fragile. Il y avait AMC autrefois, ça s'est mal terminé. Chrysler fait faillite tous les 10-15 ans. Oui, c'est ça. C'est... ses produits sont des produits sur lesquels les marges sont trop faibles. Et donc, on sent très bien que Fiat serait prêt à faire un accord avec General Motors et mettre Chrysler dans la corbeille. Et d'avoir Fiat qui soit l'actionnaire de référence, je dirais, de cet ensemble. En gardant les stars, en gardant Maserati ou d'un autre côté. Ah, Ferrari vont être en bourse. Mais ils vont garder la majorité. Mais ils vont garder la majorité. Et ça se joue, ça, en bourse ? Pardon ? Ça se joue, ça, en bourse ? Mené dans l'automobile ? Écoutez, moi, je ne sais pas jouer ça. Fiat a fait un très beau parcours. Il a baissé un peu récemment. Moi, ce qui m'ennuie avec Fiat au niveau boursier, c'est qu'en Europe, ils sont très dépendants d'un modèle, qui est la Fiat 500. Qui est formidable. Ils ont relancé ce modèle. Ça me rappelle un peu Peugeot dans les années 80, la 205 sorti complètement. Et derrière, je ne vois pas Fiat sortir des modèles gagnants. Alors, on nous fait la 500 2 places, 4 places, décapotables, break, 4x4, je ne sais pas quoi. Oui, ça a une fin. Mais bon, une fois, voilà. Et je ne vois pas d'autres modèles sortir. C'est la beauté de Volkswagen avec Audi, Porsche, Volkswagen. Volkswagen, c'est formidable. Quand on pense que les deux challengers des 24 heures du Mans sont du même groupe, oui, Porsche et Audi, c'est formidable. C'est formidable. Alors, cette semaine, le Bourget, il va alors, le Bourget, tous les jours, on nous annonce que Boeing, ou encore plus Airbus, a vendu 15 Boeing, 15 Airbus, etc. Effet d'annonce. Alors, c'est traditionnel que les gens attendent le salon pour signer. Je pense que ça ne se négocie pas en deux minutes. C'est en négociation depuis déjà beaucoup de mois. Oui. Alors, suivant qu'on regarde les commandes fermes ou les intentions de commandes, avec intention de commande, c'est Airbus le gagnant, commande ferme, c'est Boeing.
Mais ce qu'on peut noter par contre quand même, c'est qu'Airbus a, en plus de ses commandes d'avions de ligne, une très belle commande dans l'espace avec 900 satellites. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est quand même une très belle réussite. Et puis, on sent bien que ces projets dans l'hélicoptère sont Alors, en train Airbus, de... justement, ça a été une des vedettes de la bourse des dernières Ouais. années. Depuis le début de l'année, ça, voilà, Depuis le c'est un début de peu moins l'année, bien. je crois qu'Airbus est en hausse de plus de 40%. Ah, pardon, c'était l'année dernière, ça avait C'est pu l'année baisser. dernière. Et cette année, C'est une là forte aussi, hausse. on accompagne ou pas ou, parce qu'est-ce qui, on a vu que Zodiac, par exemple, que dans les équipementiers, il y avait des ruptures de Alors, production. si vous voulez, traditionnellement, il faut acheter les compagnies, les constructeurs et les équipementiers pendant les périodes où le carnet de commandes Oui. est en croissance. Ensuite, on commence à rentrer dans d'autres problématiques. Ce n'est plus Industriel. la prise de Oui, il commandes faut comme travailler. problème industriel. Il faut fabriquer avec les cadences Alors on se qu'impliquent souvient de la les carnets de 380 et commandes. Boeing a eu le même problème avec son Voilà. Liner. Alors, je crois qu'Airbus va augmenter fortement ses croissances, notamment sur les monocouloirs, etc. Et on voit bien les problèmes qu'a eu Zodiac sur les sièges montrent bien que ce n'est pas toujours très facile de suivre les cadences. Donc, il va falloir être vigilant. Bien, record d'introduction en bourse. Hein. Ça introduit en bourse à tout va. En France, nous avons Europcar qui va arriver assez rapidement. On est dans les ratios, quand on regarde les ratios introduction en bourse sur capitalisation, etc., on est dans les hauts et c'est un indicateur que certains investisseurs suivent en disant c'est dangereux. Oui, moi ce qui me frappe surtout dans les introductions en bourse, notamment en Europe actuellement, c'est que ce ne sont pas des introductions en bourse pour lesquelles les sociétés viennent chercher de l'argent pour leur développement. Ce sont essentiellement des fonds de private equity qui cèdent des titres, puisqu'ils n'avaient pas eu l'occasion de les céder depuis quelques années, compte tenu du comportement des marchés boursiers. Ils cèdent des titres, ils en profitent pour augmenter également le capital. Le cas d'Europcar, pardon, Oui, c'est ça, moitié-moitié, on va est dire. classique, oui. Avec l'augmentation de capital, ils vont baisser la dette qui, comme on est dans une opération de LBO, était avec des taux très élevés. Et donc, le mouvement d'IPO va être suivi par, ou précédé, comme le cas d'Europcar, mais sous condition de refinancement de la dette. Ce sont plus des opérations financières que des Mais est-ce que ça opérations indique que le cours, les, que industrielles. les valorisations sont très élevées, c'est-à-dire des investisseurs professionnels prennent un peu de bénéfices? Moi, ce que je crois, c'est qu'ils pouvaient, ils ont du mal à, ils ont eu du mal pendant de nombreuses années à trouver des sorties. Il faut qu'ils fassent tourner leur portefeuille. Et donc, c'est une occasion quand les marchés sont porteurs, Bon, c'est clair. rapidement, on va rentrer dans Ouais. quelques petites valeurs. Alors, Rémy Cointreau, cette semaine, gagne 7% sur un marché qui perd 2%. On n'était pas habitué. Très belle publication. Enfin, Bell, le chiffre d'affaires a reculé quand même Voilà. de plus de 6%, mais la marge est à la hausse et on a l'impression que Rémy Cointreau se sort du problème de stockage de produits à coût très élevé, puisqu'ils ont des cognacs vendus en Chine qui sont les plus chers du marché à cause de la campagne anticorruption. Et on voit que le déstockage fait que il recommence à rentrer dans un bon cycle. Je dirais qu'en plus, le choix d'une femme qui a longtemps travaillé dans le groupe LVMH était peut-être un signe aussi à conforter les investisseurs. Et aussi, on a eu l'impression qu'ils étaient moins justement soumis complètement à cette Chine et que le rééquilibrage. Alors, ce qui est Alors, clair. ce qui est important, c'est que c'est aussi le modèle de, c'est surtout le modèle de Ricard, de Oui. Pernod Ricard. Alors, dans le domaine du cognac, le marché le plus porteur aujourd'hui, c'est le marché des États-Unis. La différence entre les États-Unis et l'Asie, c'est que le marché américain consomme des cognacs de moins bonne Voilà, qualité. c'est moins C'est cher. plutôt pour les connaisseurs du VS que du XO. Alors, le VS, il en consomme beaucoup, 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 parce qu'il mélange ça Oui, c'est ça, c'est du cocktail. avec du Oui, Coca-Cola, c'est. des cocktails, etc. Bon. Mais on gagne sur la quantité alors que... Mais en tout cas, ça
ça relève un peu le secteur. Hein. On voit bien clair. Rémy, Pernod Ricard, même Belvédère, qui est une affaire un peu plus compliquée. Alors Belvédère, c'est un dossier plus compliqué, et puis on est on est plutôt dans la vodka. C'est de la vodka. Bien. Aéroport de Paris, donc a publié la fréquentation de ces aéroports. Le trafic, on voit bien, est en hausse de l'ordre de 4% l'an. Les aéroports, ce qui ont fait le succès, c'est qu'en fait, lorsque un pays a une classe moyenne qui commence à émerger, l'une des premières choses qu'elle va faire, une de ses premières dépenses, ça va être de voyager. Oui, donc, et on voit très bien... dans Paris, en ce moment, il y a des touristes chinois partout, oui. Qui sont partout. Hein, c'est porteur. Hein. Alors, nouvelle moins bonne, Saipem, c'est un service pétrolier italien, oui. A fortement chuté en bourse puisqu'on a perdu la recapitalisation. Est-ce que l'ensemble du secteur... Il souffre. Il souffre et on voit bien que le pétrole reste dans la zone des 60 dollars. C'est un marché qui a beaucoup changé avec l'émergence du gaz de schiste aux États-Unis. Et clairement, on a l'impression que ce n'est plus l'Arabie Saoudite, quelque part, qui tient les clés, mais plutôt le marché américain. C'est le marché américain. Alors, Atos, ouais. Tu publies, ou en tout cas communique sur un double Ils ont tenu leur journée investisseur. Voilà, ils ont tenu leur journée investisseur. Et ça a déçu. Mais oui, ça a déçu. Le titre a baissé de 2% suite à cette réunion. Je crois que les gens anticipaient sûrement une meilleure reprise des marges avec l'opération de croissance externe sur Xerox. Finalement, la société les résultats ont beaucoup cru grâce à la croissance externe, mais on ne sent pas beaucoup. Ça manque de levier sur la croissance intrinsèque. Alors, dernière valeur, on pourrait en parler longuement. Crédit Agricole et Société Générale ont annoncé la cotation de leur filiale de gestion de fortune qui s'appelle Amundi, oui. Qui est un géant du secteur. Ben oui, c'est un des 10 premiers mondiaux, c'est presque 1 000 milliards d'actifs. C'est considérable. C'est une très belle réussite. Ça fait partie des engagements des banques pour libérer des fonds pour leur ratio prudentiel. Et pour la Générale, garder 20%, ça n'avait pas un grand intérêt. Elle avait apporté une partie de sa gestion classique. Donc oui, il a fallu que les équipes se mettent à travailler ensemble, et maintenant le boulot est fait. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Crédit Agricole. Et pour la Générale, garder 20% ne faisait pas beaucoup de sens. En sens inverse, ils rachètent les minoritaires dans Boursorama. Voilà, donc on voit bien, chacun est chez soi. Voilà. Voilà. Nous passons à la gestion. Je suis avec Christian Vinalac, le patron de Gaspal Gestion. Christian, la consolidation, donc ces fameux 8 à 10% de baisse des marchés européens entre le 15 avril et le 15 juin, on va dire, elle est consommée ou est-ce qu'elle peut tourner à la correction? Alors, c'est peut-être ce week-end qu'on va être fixé. Avec la grâce. Je ne suis pas devin. C'est clair que... Je pense que le mouvement fort de hausse des taux d'intérêt qu'on a connu et de hausse aussi des spreads de crédit, des valorisations des obligations des entreprises. Sociétés, je pense que ce mouvement est en voie de normalisation. De normalisation. Et donc maintenant, le gros dossier, le gros obstacle qui reste à passer, c'est ce problème grec. Mais sinon, vous auriez... tendance à acheter ou à prendre des bénéfices pour garder la performance. Écoutez, moi, ce que... 13% depuis le début de l'année, moi, ce que j'ai 17 sur un certain fonds, j'ai vu. Oui, ce que je fais, c'est que j'ai gardé des liquidités pour être prêt, parce que si, comme je le pense finalement, la crise grecque va se résoudre d'une manière ou d'une autre... il ne faudra pas oublier d'être dans le marché. Alors, les axes de gestion, est-ce qu'on joue la croissance liée à la reprise? Alors, c'est clair que... Même l'INSEE nous promet un rythme de 1,6% à la fin de l'année en France. Mais c'est normal, je veux dire, on est dans des... les économies sont cycliques, hein, donc c'est ça qu'il faut acheter aujourd'hui. On a tendance à acheter les cycliques, notamment en Europe, qui bénéficient de la croissance en Europe.
Et puis, on en revient toujours à ce thème des valeurs exportatrices en dollars, pour bénéficier de la baisse de l'euro. Et puis des sociétés qui bénéficient de la baisse des taux. C'est pas parce qu'il y a un petit mouvement de... le mouvement avait été trop fort. Donc la correction qui n'est pas petite, qui est importante, mais remet les choses à un niveau normal. Et la consommation, vous regardez ça ou... Oui, bien sûr, c'est le principal moteur de croissance de l'économie. Je pense que la consommation va se libérer parce que, si vous voulez, on peut différer beaucoup d'achats pendant un certain temps, mais il y a un moment où la voiture, son entretien coûte trop cher, parce que les voitures d'occasion, ça s'entretient, etc. La machine à laver, c'est pas... Enfin, je veux dire, l'acte de consommation, je pense, va naturellement revenir. Alors justement, les concepts, les secteurs que vous suivez, que vous conseillez de suivre en ce moment, vous suivez. Alors, nous avons évoqué certains secteurs. Globalement, il y a une autre composante dont on n'a pas encore parlé, mais dont on parle souvent, qui est, je crois, nous avons une sélection de valeurs que nous aimons bien, qui sont les valeurs qui sont en capacité d'augmenter régulièrement leurs dividendes. Et ça, c'est une sélection de valeurs qui nous semble très pertinent, parce que, un, verser des dividendes, c'est déjà en soi un signe de bonne santé. Oui. Et deuxièmement, si on peut se permettre de l'augmenter tout en entretenant la croissance de l'activité, c'est encore meilleur. Et donc, nous aimons beaucoup cette thématique. Très bien. Alors, une approche d'allocation d'actifs, vous avez un fonds dit patrimonial, donc voilà. Vous équilibrez les choses. Écoutez, on n'a pas fondamentalement changé énormément notre allocation d'actifs. On est à peu près à 60% investi sur les actions. On est à peu près à 15% sur les obligations et 7% sur les convertibles. On a gardé une partie de trésorerie en dollars, parce qu'on pense que le dollar devrait reprendre sa hausse normalement. Et on a un petit peu de trésorerie, justement. On a 4-5% de cash en ce moment en euros pour nous permettre de pouvoir rentrer dans le marché. Absolument. Donc, une stratégie quand même qui est... Ça reste offensif quand même. Qui est relativement offensive, mais avec des marges. Depuis le début de l'année, on est entre 10 et 12% à peu près de permanence, avec un point haut aux alentours de 15%. En avril. Écoutez, encore une fois, on compare ça avec des placements obligataires à zéro, qui sont revenus au point de départ, voire zéro. Comme quoi, voilà, la prise de risque paye encore malgré la baisse de la bourse récente. Nous passons au conseil. Alors Christian, les conseils. Alors d'abord un petit tour sur vos conseils des mois précédents. Hein. J'ai regardé les 5 dernières émissions, donc celle de fin de l'année dernière et les 4 de cette année. Bon, d'une manière générale, bravo, hein, bravo, vous faites beaucoup mieux que les indices en sélection de deux valeurs, ce qui n'est pas facile, hein, deux valeurs à chaque fois. Donc rapidement, on va les survoler. Accor qui gagne 27% depuis le mois de novembre et 10% depuis le début de l'année, contre, par exemple depuis le 22 janvier, contre un indice qui fait 4%. Accor en garde ? Oui, absolument. Accor en garde. Je trouve qu'ils ont une très bonne stratégie. Nexans. Alors Nexans, c'était plus hardi, mais on gagne 31% quand le CAC fait 13. C'est du cycle. Là, on est dans le cycle. C'est un peu un joker. Oui, c'était un joker. C'est un peu un joker. Il faut avoir quelques jokers dans son jeu. Et c'est une société qui est en train de se reprendre, donc je garde. Alors Technip, qui gagne 12% depuis le 22 janvier, quand le CAC fait un peu plus de 4. Technip, je trouve que c'est la plus belle de nos sociétés dans le domaine de l'ingénierie liée à l'énergie essentiellement, ou à la chimie, donc je garde, oui. C'est bien, c'est la qualité. Alors Peugeot, ça fait longtemps que vous nous l'avez recommandé. Il fait encore 20% depuis le 20 février, quand le CAC a perdu un peu, près de 4%. Ouais, c'est pas mal. On y reste ?
Oui, je pense qu'on est... On suit. Le cycle automobile est encore en reprise. Alors, Trigano, c'est peut-être la plus belle performance de vos derniers conseils, puisque depuis le 20 février, la bourse perd 4%, ça monte de 22%, c'est encore dans les plus fortes hausses cette semaine. Trigano, c'est une société que j'aime beaucoup, c'est les caravanes, les camping-cars. Les camping-cars. C'est très très bien géré, donc je garde. Vous gardez. Ouais. Alors le 27 mars, vous étiez plus agressif, vous nous avez recommandé deux valeurs pétrolières. Oula. Donc depuis lundi, perd 5,6, Ruby a légèrement monté 3% et Valois qui a perdu une dizaine de pourcents. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de ces deux valeurs qui étaient quand même de la spéculation dans les deux cas? Ruby, je les garde parce que c'est une valeur qui est sur le long terme. D'ailleurs, on voit bien quand la bourse baisse, oui. Ruby, malgré l'augmentation de capital qu'elle a fait, etc. C'était quand même... Valourec, je me demande si la route ne va pas être plus dure que ce que je ne pouvais m'imaginer. C'est peut-être un peu tôt. Le joker peut être abandonné. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. Alors le 23 avril, la dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez recommandé Carrefour, que vous avez souvent recommandé, qui perd quand même, ouais. Qui perd le marché depuis, grosso modo, qui fait aussi bien ou aussi mal que le CAC, moins 9%. Ouais. Qu'est-ce que vous en faites? Carrefour, je pense qu'on est dans un cycle de reprise de la consommation sur l'Europe et on voit bien qu'au Brésil, ils se débrouillent finalement mieux que Casino. Ils ont mieux géré leur relation avec le partenaire. Ouais. Très bien. Et la dernière valeur, c'était Paris-Orléans, qui, comme ouais. son nom l'indique, est une banque, ouais. qui gagne 7% quand la bourse en perd 8%. Ouais. Donc c'est la banque Rothschild. Hein. Ouais. Ça va bientôt s'appeler Rothschild. Ça va s'appeler Rothschild, je crois. À la rentrée. Ah ben, ouais. À la rentrée, donc là vous continuez, puisque votre concept c'était de dire, il y a des fusions-acquisitions, autant être sur voilà. celui qui les fabrique et qui touche des commissions, voilà. plutôt que d'essayer de trouver celui qui voilà. va en bénéficier voilà. par valeur. Exactement. Et vous restez sur la cette affaire. Regardez, le cycle des fusions-acquisitions n'est pas terminé, et en termes de valorisation, je pense que Paris-Orléans, et je suis sûr d'ailleurs que quand ça s'appellera Rothschild, Ça ne vaudra pas autant, il n'y aura pas les ratios Parce de Lazare, mais nous ne sommes pas très nombreux à savoir que Paris-Orléans, c'est en fait la banque C'est un peu discret. Mais alors, ça cette va semaine, un achat. Alors, bah écoutez, on en a parlé un petit peu. Bah, quelles sont les valeurs qui vont bénéficier de la reprise de l'économie en Europe? C'est clairement les banques. Et donc c'est un moyen aussi de jouer globalement la reprise de l'économie. L'une de celles qui est la moins chère en termes de valeur par rapport à ses fonds propres, c'est le Crédit Agricole. C'est une des plus solides. Je crois que quelque part, elle continue à souffrir d'une image de son ancienne présence en Grèce, sur ce qui lui a coûté beaucoup d'argent. Mais ceci est complètement terminé. Et donc, souffre aussi d'un management qui avait été un peu éloigné de la glaise, du fameux bon sens. Et là, il y a une reprise en main dans le management des caisses régionales. C'est-à-dire qu'on revient à des choses qui sont plus proches de leur métier qu'ils maîtrisent traditionnellement, notamment la banque de proximité. Nous avons un rendement des fonds propres qui va arriver de l'ordre de 10%, et un rendement du dividende, je ne veux pas dire de bêtises, je regarde dans mes fiches, le rendement, on est, excusez-moi, voilà, Crédit Agricole, en termes de rendement, on est à 2,6%, mais, c'est pour ça que je ne voulais pas me tromper, on attend une forte hausse du dividende l'année prochaine, compte tenu d'une bonne amélioration des résultats cette année. Et on attend une augmentation du dividende telle qu'on va approcher les 4,5 de rendement. Ce sera énorme. L'année prochaine. C'est le fait que les caisses qui sont les actionnaires, les caisses régionales, ont repris le pouvoir. Exactement. Alors, rapidement, quelque chose à vendre, à éviter? Alors, vendre, ben, je crois que, c'est pas, on, malheureusement, on a l'impression qu'Air France a beaucoup de mal de sortir de sa situation. On est peut-être à la veille d'une grève des pilotes, ce qui, on le sait, coûte très cher. Et en général, c'est au moment des vacances. Comme par hasard, nous sommes pris en otage.
je serais peut-être, commencé peut-être à être un petit peu méfiant sur le secteur de l'immobilier. Je vois que la plupart des foncières se traitent avec des surcotes oui. par rapport à leur valeur d'actif. On a été trop loin dans l'anticipation de la baisse des taux, peut-être. On a été loin dans l'anticipation de la baisse des taux. Et j'avoue que j'ai du mal à acheter des sociétés immobilières qui sont en surcote de 20, 30, sur des marchés immobiliers, voire 40% qui eux ne sont pas totalement De leur valeur voilà. d'actifs intrinsèques. Donc, peut-être prudence que sur l'immobilier. Alors, un joker. Alors, un joker, écoutez, on en a parlé, je crois que Faurecia, qui, après un plus haut vers 47, est revenu à peu près dans la zone des 35 euros, c'est-à-dire pas très loin des 30 euros qu'il valait en début d'année. Je crois que c'est une valeur qui a trop souffert. On a peut-être surestimé les difficultés ou de toute façon la nécessité qu'ils augmentent leur marge aux États-Unis. C'est une société qui est très bien gérée. Oui, donc, qui bénéficie. Qui est toujours dans le groupe Peugeot, hein, c'est le dernier des équipementiers qui est relié. C'est le dernier qui est lié, mais il travaille beaucoup avec tous les autres évidemment. Constructeurs. D'ailleurs, s'il est présent aux États-Unis, d'ailleurs plus qu'en Chine, c'est bien parce qu'il ne travaille pas uniquement avec le groupe Peugeot, qui n'est pas présent aux États-Unis. Par contre, en Chine, ils sont moins présents que le groupe Peugeot, puisque ça ne représente que 5% de leur chiffre d'affaires. Faurecia, au niveau du rendement, on est un petit peu en dessous de 1%, mais compte tenu de la croissance des résultats, le rendement devrait doubler l'année prochaine. On devrait être au-dessus de 1,5. Et donc, ça, j'aime bien, parce que ça veut dire qu'on est sur une dynamique de croissance. On reste sur Peugeot, c'est ce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais on joue l'équipementier. Et dans les équipementiers, on joue Faurecia. On joue Faurecia, absolument. Ce sera le mot de la fin. Merci, Christian. Merci et rendez-vous la semaine prochaine.